Quatre questions à se poser pour développer son estime de soi et pour rayonner dans sa vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas. Je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et je me suis spécialisée dans la vie relationnelle et plus particulièrement la vie amoureuse. Et aujourd'hui, je vais aborder avec vous le sujet de l'estime de soi et on va voir quatre questions à se poser dans la plus profonde sincérité en termes de réflexion et de capacité d'évolution possible à mettre en œuvre dans votre vie pour avoir directement un impact sur le développement de votre estime de vous. Vous allez le voir, ces quatre questions, elles touchent directement à la valeur que vous vous accordez à travers ce que vous faites pour vous, à travers ce que vous tentez d'être dans la vie, de vous apporter dans la vie. Donc on va voir ces quatre questions qui ont pour but, comme je vous l'ai dit, de pousser votre réflexion et ensuite vos actions pour développer votre estime de vous. Déjà, je voulais vous dire que dans la barre de description, juste en dessous de cette vidéo, je vais vous mettre un petit e-book sur l'estime de soi pour pousser un petit peu le sujet de cette vidéo. Je vais aussi vous en mettre un autre, pardon, sur le fait de devenir la meilleure version de soi. Je vous laisse les télécharger, ils sont gratuits. Vous allez le voir, ils sont vraiment dans la continuité de ce qu'on aborde ici ensemble aujourd'hui. Mais revenons-en à ces quatre questions. Donc j'espère que vous avez de quoi noter. Ou en tout cas, vous pourrez revoir cette vidéo autant de fois que vous le souhaitez. Parce que ces questions, elles ne sont pas là juste pour que vous les entendiez. Elles sont là pour que vous vous posiez face à cet exercice, face à vous-même, que vous alliez vous connecter à vous, vous découvrir et surtout ensuite mettre en œuvre ce que vous allez découvrir, développer ce qui aujourd'hui vous semble à développer pour aller dans cette estime de soi qu'on va réévaluer à juste titre parce que je pense que nombreux d'entre nous le méritent bien. Première question déjà. Quel sens est-ce que vous voulez donner à votre vie? J'entends par là, quelle valeur et valeur, qu'est-ce qui est important pour vous? Quelles sont les choses importantes que vous voulez apporter à votre vie? Selon vous, votre vie aurait du sens si vous y retrouvez quoi d'important, de fondamental, de valeur? Est-ce que vous avez une idée de la personne que vous voulez être? Donc demandez-vous, quelle personne voulez-vous être? Et encore une fois, j'entends par là, pas une version idéalisée de vous qui est complètement irréaliste et qui bannit vraiment des parties de vous qui pourtant font toute votre valeur. Mais j'entends par là, quand je vous dis quelle personne vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez dégager, c'est qu'est-ce que vous voudriez qu'on dise de vous? Là, vous allez reconnaître vos valeurs, en fait. Vous allez reconnaître ce qui fait de vous une personne unique, mais surtout ce que vous avez envie de développer pour vous sentir à l'aise avec vous-même dans le quotidien. Si là, vous étiez dans la fin de votre vie, ce que je ne vous souhaite pas, qu'est-ce que vous voudriez que les gens disent de vous? Qu'est-ce que vous voudriez que les gens soient déçus de ne plus avoir? Donc ça veut dire là, c'est vraiment se positionner par rapport à quelles sont vos valeurs dans votre vie. Mais dans les valeurs, il y a aussi qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous avez envie et en fait besoin d'incarner pour vous sentir bien avec vous-même. Donc qu'est-ce que je voudrais qu'on dise de moi? Qu'est-ce que je veux dégager? Comment je donne du sens à ma vie en donnant du sens à mon individualité, en me rapprochant vraiment de ce qui fait que je suis fondamentalement moi, mais peut-être que je n'ai pas su jusqu'à aujourd'hui vraiment me pencher sur la question, voulant ressembler à ce que je pense qu'on attendait de moi. Et c'est complètement différent. Qu'est-ce que moi je veux être? Qu'est-ce que moi je veux dégager? Et surtout pas, qu'est-ce qu'on attend de moi? Demandez-vous vraiment quelle trace vous voulez laisser sur cette terre sans regret de vous. Donc, à votre travail personnel, je vous invite à développer cette question. Soyez sincère avec vous-même parce que c'est entre vous et vous. Vous êtes en train de décrire aujourd'hui ce à quoi vous aspirez demain et donc il va être beaucoup plus simple de pouvoir, dans la continuité des choses, y aller, agir. Quand on a les valeurs qui sont importantes pour nous devant nos yeux, il est beaucoup plus simple de mettre en application dans notre quotidien une manière de les remplir, ces valeurs, de les incarner, de les dégager. Ok ? Maintenant que les explications sont un peu poussées, je vais passer à cette deuxième question que je vous invite à vous poser. La deuxième question, ça va être, qu'est-ce dans votre quotidien là? Quel loisir vous pratiquez qui vous apporte de la joie? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous répétez aujourd'hui qui vous apporte un sentiment de bien-être? Qu'est-ce qui vous apporte des émotions positives? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pratiquez qui vous ancre de la joie
en ce moment. Et là, vous allez devoir vous retrouver avec la manière dont vous occupez votre temps et la manière dont vous agissez pour vous. Parce que si vous n'êtes pas la personne qui est dans la démarche d'intégrer dans son quotidien des choses qui l'ancrent dans la joie, qui lui amènent des émotions positives, est-ce que vous imaginez le message que vous vous renvoyez à vous-même? Ça veut dire que là, ce que vous voyez, si vous ne faites pas ça, c'est que vous êtes la personne qui ne prenez pas soin de vous et ne vous permettez pas de vivre des émotions positives. Et ça impacte, je pense, vous comprenez maintenant dans la logique des choses, comme ça impacte votre estime de vous. Parce que si je m'estime, c'est parce que je sais que je suis la personne qui fait des choix constamment pour moi. Je m'accorde de la valeur parce que je suis une personne de valeur dans ma propre vie. Donc vraiment, positionnez-vous sur qu'est-ce que vous pratiquez. Que ce soit du chant, que ce soit une activité sportive, que ce soit du théâtre, de la peinture, mais peu importe. Qu'est-ce que vous pratiquez qui vous amène de la joie ou du bien-être, ou les deux en même temps, peu importe. Je vous laisse choisir votre mot préféré, il n'y a pas de souci. Et si ce n'est pas le cas, vous comprenez que ça va être à développer. Et même si c'est le cas, comment faites-vous pour ne pas rester dans cette zone hyper connue et le développer encore et encore? Vous êtes la personne qui se voit faire des choses pour elle-même. C'est comme ça qu'on développe son estime de soi. La troisième question maintenant, c'est comment vous développez votre individualité quand vous êtes dans un couple, quand vous êtes dans une relation amoureuse? Que ce soit actuellement, que ce soit avant, je vous porte vraiment à regarder comment vous avez agi et comment vous agissez quand vous êtes dans une relation amoureuse. Est-ce que vous avez tendance à développer votre individualité? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plutôt dans l'optique de sacrifier ce qui fait de vous ce que vous êtes? Ça veut dire, avec la question précédente, est-ce que vous avez tendance à sacrifier ces moments de joie et de bien-être en dehors de la relation? Ou est-ce qu'au contraire, vous continuez de les maintenir, vous continuez de les développer, vous continuez de pratiquer et encore de développer et développer et développer et faire grandir ce que vous aimez en dehors de la relation, même quand vous êtes dans un couple? Pourquoi je vous demande de vous poser cette question? Parce que là, encore une fois, on va toucher à l'estime de soi, dans le sens où, qui êtes-vous pour vous-même quand vous avez votre attention portée sur autrui? Votre estime de vous repose sur comment vous vous comportez avec vous, comment vous vous accordez de la valeur en tant qu'individu, même quand vous êtes en couple. Vous n'êtes pas la personne en couple. Vous êtes une personne individuellement qui vient composer une partie de cette relation. Ok ? Donc là, je vous demande vraiment de vous questionner. Encore une fois, ça ne demande qu'à vous retrouver, qu'à vous reconnecter à vous et à vous poser les bonnes questions aux bons endroits, pour savoir où est-ce que vous avez une marge de manœuvre qui n'attend que vous. La quatrième et dernière question, ça va être: quelle est mon ouverture au monde? Quelle est votre ouverture au monde? J'entends par là, est-ce que vous abordez de nouvelles personnes? Est-ce que vous abordez de nouvelles rencontres, de nouvelles activités, de nouvelles expériences, de nouveaux apprentissages, tout simplement? Parce que tout ce que je viens de vous citer, ce sont des nouveaux apprentissages. Et un être humain qui est constamment dans l'apprentissage, ce n'est pas dans les études ou dans les livres uniquement, c'est à travers les nouvelles rencontres humaines, à travers une nouvelle sensation, une nouvelle émotion, dans une nouvelle activité, dans une conversation avec une personne que vous avez rencontrée qui va vous parler de choses qui la concernent et vous n'aviez pas cette même vision jusqu'à maintenant. En tout cas, vous avez que votre vision à vous, celle de vos proches. Mais voilà, on reste très vite campé sur notre petit monde, sur notre vision du monde, sur ce qu'on a l'habitude d'avoir, sur ce qu'on est conditionné de vivre au quotidien. Donc, quelle est votre ouverture au monde et donc quelle est votre ouverture à l'apprentissage? Quelle est votre manière de développer votre apprentissage constant dans votre quotidien, dans votre manière de faire dans votre vie? Parce que si vous développez votre curiosité, si vous développez votre apprentissage, vous êtes la personne qui peut compter sur elle-même, s'accorder de la valeur parce qu'elle sait qu'elle est en croissance. La croissance, elle n'est pas constante, H24 et à des degrés de dingue, mais juste continuer à ne pas se figer, c'est se raccorder de la valeur parce qu'on sait qu'on n'est pas resté à un instant T, qu'on n'est pas le soi d'hier. Et donc, on peut se faire confiance, on peut s'estimer de plus en plus parce qu'on sait qu'on est en croissance. Je veux que vous reteniez ce mot. Donc, est-ce que vous développez
votre curiosité, votre apprentissage à travers ce que je viens de vous demander. Je veux que vous vous posiez la question parce que là, c'est quatre questions en fait, ce qu'elles cachent. Ces quatre points fondamentaux de travail, en tout cas de choses à développer dans votre vie, dans votre manière d'être et de faire avec vous-même et avec votre vie, pour élever votre estime de soi. Et c'est là tout ce que je vous souhaitais à travers cette vidéo. Donc je vous dis bon boulot, allez vous connecter avec vous, allez répondre sincèrement à ces questions. Et moi de mon côté, vous le savez très bien, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.